Bonjour à tous pour cette petite vidéo un peu spéciale où pour une fois je ne suis pas chez moi. Eh bien, je voulais faire cette... Alors, j'aurais dû commencer peut-être par faire cette première vidéo où je voulais tous vous souhaiter la bienvenue, une bonne année, beaucoup de réussite, plein de bonnes choses, votre bac pour les terminales et j'aimerais aussi que vous appreniez tous plein de choses, que vous appréciez cette année. Alors, je tourne ici puisque là, ça vous permet de voir un petit peu l'endroit où j'habite, qui est beaucoup plus vert que Drancy. Donc, j'espère vous faire partager à tous un petit peu ce grand bol de verdure, d'air pur. Alors, peut-être plus qu'à Drancy, mais bon, hein. L'agriculture intensive, ça fait que l'air n'est pas forcément si pur que ça ici. Alors, je suis très content de voir que vous êtes aussi nombreux, mes élèves de terminale qui n'ont pas vraiment le choix puisque de toute façon ils sont obligés, mais aussi beaucoup d'élèves de première que j'avais en seconde l'année dernière, ce qui me fait vraiment plaisir, et même quelques élèves de seconde. Alors, petit message plus pour les terminales, hein, perdez pas de vue que tout ça, ça vous sert quand même de cours, que c'est important qu'on fasse ça sérieusement. Regardez les vidéos en étant attentif et pas en somnolant sur le canapé, prendre des notes, ça vous servira pour le bac, croyez-moi, c'est important. Si vous avez des problèmes de prise de notes, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, bien sûr, vous pourrez toujours venir me voir et me redemander plein de choses en cours. Pour les élèves de seconde, de première, mais aussi ceux de terminale, éventuellement, si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, que ce soit en histoire, en économie, dans le domaine des sciences humaines en général, ne me demandez pas de choses en maths, en physique ou en SVT, ça va être compliqué. Mais si vous avez des questions sur ce que vous faites en cours ou des questions sur la vie en général, pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi est-ce que les sociétés naissent et meurent, qu'est-ce que c'est qu'une société, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation, quelle est la place de l'homme dans tout ça, enfin, je sais pas, si vous posez des questions existentielles, des questions très terre-à-terre aussi, techniques, n'hésitez pas à poser des questions et je vous répondrai aussi, peut-être que je ferai même des vidéos aussi pour répondre si vous avez des questions qui appellent des réponses assez longues. Voilà. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous, je vous souhaite une très bonne année. J'espère qu'on va passer une très bonne année ensemble et ceux qui m'ont pas cette année en première, je vous souhaite aussi une très bonne année. Je suis sûr que vous passerez une très bonne année même si c'est pas avec moi, peut-être même parce que ce ne sera pas avec moi. Et si vous avez des questions, que vous soyez mes élèves ou mes anciens élèves, puisque vous êtes tous mes élèves ou mes anciens élèves maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions, soit directement comme vous voyez au lycée, soit sur la chaîne YouTube et je vous répondrai toujours du mieux que je peux. Voilà. Et vous voyez, j'essaie de tenir compte de vos remarques, puisque tu vois, Neil, j'essaie le format paysage. Et je ne suis pas sûr qu'on y gagne par rapport au format portrait, puisqu'on voit mieux ce qu'il y a derrière moi. Quand c'est un champ de betteraves, c'est pas plus mal, mais quand c'est le mur qui est au fond de chez moi, je ne suis pas sûr que ce soit super intéressant. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne année à tous, et je vous dis à très bientôt.